Bonjour tout le monde, ici The Rock et on se retrouve pour un autre épisode du BGM avec les Rangers de New York. On entame le début de notre troisième année, je m'en souviens plus. Bref, on a fait les séries l'année passée et on a perdu malheureusement en première ronde contre les Bruins de Boston. Mais si vous n'avez pas vu l'épisode, ça mérite d'être regardé tout simplement à cause de cette victoire en prolongation de 4-3 gracieuseté de Mark Giordano. Ce fut un moment incroyable au Madison Square Garden. J'ai décrit ça comme si les Rangers venaient de gagner la Coupe Stanley, ce qui était franchement pas le cas. Mais là, on embarque dans le repêchage et sans perdre une seconde, on va y aller. De toute façon, on n'a pas de choix dans les premières rondes, mais on va quand même proposer un échange et voir qu'est-ce qui se passe. Voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Donc, gardien de but, on va regarder la situation partout. Bennington 86, Longvist 84 à 1 million, mais faut le re-signer. Il va rien demander, mais on va le garder. Longvist prend sa retraite avec nous. Ingram et Markstrom. J'aimerais peut-être ça signer Markstrom, essayer de le faire monter. C'est quand même notre goaler qu'on a drafté au premier tour, 25e au total. Mais sinon, on n'a pas vraiment d'autres gardiens là. Bennington va être notre gardien partant. 86 overall, ça fait le travail. Il va être le gardien partant l'année prochaine. Défensivement, Alexandrov, ok. Brady Shea, ça reste. Chuba, ça reste. Deux très bons défenseurs. Weiss, j'espère que Alexandrov, Weiss, Poirier, Baron, Matt, Robertson, ça va être des gars qui vont monter. Jolson, on peut le garder. D'Angelo, je pense que c'est le temps pour nous de se laisser partir. Giordano, j'aimerais ça le garder, dépendamment de son prix. Et Merrill aussi, dépendamment de son prix. Je pense vraiment que D'Angelo, à 4 millions 4 ans, je pense pas que c'est pertinent de le garder. On va quand même continuer de regarder ce qui se passe. Ailier droit, Capo Caco, 87 overall, faut le re-signer. O5, 84 overall, faut le re-signer, mais lui a très 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 bien fait. J'ai adoré. 31 buts, 34 passes. Et en série, là, c'est un but, c'est un point, mais c'est pas grave. J'adore Joshua Singh, belle transaction. Islanden, Lindsay, on a quand même quelques prospects dans les minors. Elle est gauche, Panarin, ça touche pas. Mike Hoffman, touche pas, je l'ai adoré. Masaiek, touche pas. Vucinovich, on a de la place encore un peu sur notre marge salariale, donc ça me dérange pas de le garder, à moins qu'on ait quelque chose d'autre. Perfetti va jouer, j'espère. Auden, on garde. Shetil, on garde. C'est des gars qui ont encore beaucoup de potentiel. Anderson, on garde. Et Zibanejad, va falloir le re-signer, mais pourquoi sa valeur est si basse? Ah, c'est parce qu'il reste un an à son contrat. Eriksson. Donc moi, je pense que franchement, là, à l'attaque, je pense même que Vucinovich pourrait partir. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a quand même le Perfetti qui monte. Moi, je pense que Vucinovich à 4 millions, on pourra potentiellement pouvoir trouver quelque chose aux agents libres. Faut trouver une équipe qui veut ces deux gars-là, par exemple. Ce serait le fun de shipper les deux en même temps à une équipe de l'Ouest. Colorado, à date, on retient ça. Une équipe qui peut se permettre ces deux contrats-là. Les Kings, qui sont en reconstruction en plus. Qu'est-ce qu'on m'offre? Comme choix de repêchage, le 7e, je pense pas que ça va passer. Marché des gardiens. S'ils ont des gardiens intéressants, les Kings? Non, pas vraiment. Un défenseur intéressant? Pas vraiment non plus. Elle est droit. Les Kings ont absolument rien, là. Franchement, là. Les Kings ont rien. Rien qui m'intéresse. Rigger, mais oubliez ça. Philippe Dano. Philippe Dano, mais non, on n'a pas assez de valeur. Non, à date. À date, le Colorado me semble une bonne option. Owens, un centre franchise. Je me demandais ce qui se passait, là. Donc, le Colorado, est-ce qu'ils veulent donner leur premier choix, le Colorado? Oh, leur deuxième choix overall. On va aller voir. Choix repêchage, ils veulent le donner. Un instant. Un instant, on pourrait faire un blockbuster, là. Avec notre 24e, c'est sûr qu'il faut donner notre premier choix. 24e, Vucinovich et D'Angelo. Oh, que là, on parle. Oh, que là, l'Avalanche, on parle. Vucinovich, D'Angelo est notre premier contre le deuxième overall. Refusé toutefois. Oh là 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 là. Et ils veulent donner, ils veulent donner. J'aurais jamais essayé s'ils ne voulaient pas le donner. Mais là, ils veulent le donner, là. Un instant, un instant, un instant. On a beaucoup de Honnêtement, on a beaucoup de défenseurs, là. Je pense pas que on devrait garder tous ces défenseurs, là. On a Alexandrov, 1. 2 avec Weiss. 3 Barons. 4 Robinson. 5 Poirier. On a trop de défenseurs.
Baron, moi je pense qu'il peut partir parce que c'est le moins près. 20 ans, 69 overall. Baron peut clairement partir. Et je pense que ça fait passer le deal. Et honnêtement, on donne Bucinovic, on donne D'Angelo qui sont capables de jouer NHL. Baron, qui est un très très bon défenseur, et un premier overall, et un 24e au total. Je pense que c'est. Ah, oui, on les a bien raides, mais je pense que les deux côtés, c'est bon. Et on a le deuxième overall. Let's go! Mais on n'a aucune idée. On n'a absolument aucune idée. On a un défenseur, Marcus Pajarvi. Pour vrai, Marcus Pajarvi, ça me. Moi, je pense que je suis. Moi, je pense qu'on est mieux d'y aller avec un défenseur. Il y a Derek Russell. Un défenseur droit. Ou qui c'est deux défenseurs droits. Moi, je pense que Marcus Pajarvi, faut y aller avec un défenseur. On n'a pas assez de défenseurs. Let's go! Élite 78 overall. Oh baby. 79 pour Riley, c'est bon. À date, on a fait un bon choix. 79 Russell, c'est pas grave. Un overall de moins, là. Et voilà. Et c'est un défenseur offensif, j'ai l'impression. Ou défenseur polyvalent. Bref. Très très bonne sélection. Et on simule jusqu'au choix 117. Mais quelle sélection. Quelle bonne sélection. Un gardien de but. Bof. Lavin, bof. Personnel, bof. Colson, Colburn, non. Gallagher, non. Marty Garand, non. Jacob Roelofs, j'ai peut-être envie d'aller avec un autre gardien. Solomon Mendoza, réserviste, 71 overall, mais réserviste, bon, pff, pas la grosse affaire. Si on est capable d'avoir des top 9, là. B-, il n'y a pas eu des bonnes stats. A+, il y a deux buts, une passe. Dimitri Sevenov, 20 ans, un allié gauche, un russe, pas un russe, un ukrainien. Ah! Pas vraiment attaquant top 6. Inférieur. Oh, un élite bas, juste avant nous. Kabanov, A+. Sangvis, A+, mais a pas de points. Littinen, a pas de points. Ah, un allié droit, 19 ans. Par Uglun. Let's go, un autre européen. Attaquant top 9, pardon, bas. Faut vraiment le. Le draft, là, c'est comme dans la vraie vie. C'est un peu de la chance. Darcy Pan. Henry Faulk. Ah oh, non, Henry Faulk. Un allié gauche du Phoenix de Sherbrooke. Attaquant top 9, moyen. Bon, c'est déjà ça. Et on a un autre choix de 7e. On va drafter Lennox. Tristan Lennox. Un autre gardien. Smolinski, 11 buts. Laurity, non. Hall. A+, un gardien. On va y aller avec un autre gardien. Mirko Hall. Partant 48 en 7e ronde. C'est quand même très bon. On va simuler tout le repêchage. Et on va s'arrêter. Ben, on va pas s'arrêter là, mais on n'avait pas beaucoup de joueurs. Mais on a un deuxième overall. Pajarvi, un défenseur qui risque de jouer cette année. Et ça, c'est solide. Ottawa a échangé Zaitsev, Koivu et Connolly. Un choix de 7e à Vancouver pour un choix de 2e. My God. À Vancouver, un deuxième Smith. Contre un choix de 2e. Aïe, aïe, aïe. On a niqué Colorado avec notre trade, hein. Si tu regardes ça, là. Si tu regardes ça, on les a bien eus. Voici les entraîneurs de votre équipe dont le contrat arrive à expiration. Parfait. On va aller prolonger les entraîneurs avant de continuer. Où est-ce qu'ils sont, nos entraîneurs? Encadrement. Ça, peut-être que tantôt, il l'avait, je l'avais juste pas vu. Donc, il nous manque un entraîneur adjoint en NHL et un entraîneur des gardiens en AHL. Ok. Entraîneur en chef. Parfait. Gortz, même chose. 3 ans. Et toi, est-ce que tu as besoin d'être signé aussi? Généraliste. On va te signer et on va essayer d'en chercher un pour adjoint NHL. Et. Adjoint NHL et entraîneur des gardiens. Changer d'entraîneur. Non, 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 non. Je veux juste en trouver un autre. Promouvoir rétrogradé. Est-ce que je peux juste putain de merde? Est-ce que je peux juste putain de merde? J'aimerais recruter des entraîneurs. Bon, pour l'instant, peut-être que c'est pas le moment. On verra après. Prolonger des contrats maintenant. Bon, on a 28 millions sur notre marge, mais on a quand même des joueurs à signer. Longvis en fait partie. Il veut 3 millions. Ok, 1 an. 1 an, 3 millions, mon Henrik. Moi je pense que c'est bon. Relâcher pour Ingram parce que là, Markstrom va être notre gardien dans la AHL, clairement, avec Hall. Donc deux gardiens très mauvais dans la AHL, mais ça va être ces deux gars-là.
avec qui on va run. Défensivement, Giordano, j'aimerais ça le re-signer, il veut rester en plus. Un an, j'ai pas trop avec ça. Un an, 5,7, mon Mark Giordano. Parfait. Même s'il tombe à 84 overall, on peut y aller avec ça. Jolson n'a pas besoin d'être signé. John Merrill, je suis pas sûr pour John. 2,4, on va laisser faire. Olofsson, est-ce qu'il veut un contrat à HL? Oui, un an seulement pour Olofsson. Pajarvi, certain que je te signe. Certain que je signe. Rondon, on va attendre. Stall, on va attendre. Weiss, Robertson, tous ces gars-là, c'est bon. 7e div, ok. Et les droits. Capo et Kako. 87 overall veut déjà le gros contrat. À 8 millions. Je veux juste voir. Panarin, il reste combien d'années Panarin? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ans Panarin. Faudrait signer tout le monde sur le même nombre de contrats. Fait Capo Kako, je vais te signer 5 ans. Il veut 8. Bon, ben 5 ans, 8 millions pour Capo Kako. Moi, je pense que c'est un bon deal. Goldobin ne veut pas signer. Ben, bye-bye. Clutterbuck, bye-bye. Jesper Fast, bye-bye. Ty Ronning. Tu restes avec nous, toi. Chilla Whiskey ou Williskey ou peu importe son nom, on te signe. Toi aussi, on va te signer pour la HL, un petit prospect. Et gauche, Panarin, c'est bon. Jack Sanford veut signer pour la HL. Fais une bonne job, je te garde. Montreuil, non. Semenov, non. Blanchard, non. Attaquant top 9, Falk. Allez, non. On te fait jouer. Centre, Zibanejad. L'objectif, 5 ans. Il demande beaucoup pour un 5 ans, là. Beaucoup, beaucoup. Ok, on va y aller avec 3 ans d'abord. Parce que je veux pas monter tant que ça. 3 ans, 7,6 pour Zibanejad. Carl Sonnenberg ne veut pas signer. Johnson, non merci. Et est-ce qu'il y a des prospects à signer? 59, Fleischmann. Pourquoi pas? On va faire jouer nos jeunes. On va essayer de les monter, là. Les faire monter en overall. On sait que les faire jouer dans les minors, ça marche. Donc, tous nos contrats sont faits. On n'a pas de questions à se poser sur personne. Bon, ben, Giordano a accepté. Longvis aussi. Zibanejad, Sanford, Ronning. Je suis pas contre le principe, mais le montant n'est pas suffisant pour Lofsun. Parfait, je vais te laisser partir dans ce cas-là. Capo Kako. Et voilà, Pajarvi, let's go. Donc, tout le monde est signé. Simulé jusqu'aux agents libres. On va regarder les contrats et tout. Je ne suis pas franchement séduit par le rôle que vous me proposez. Après mieux réflexion, j'accepte. Ok, Gray. Pas trop, mon gars. Je me vois mal rejoindre, mais Chris, c'est le rôle que t'avais. Ben, laisse faire, man. Voyons. Je suis heureux. Merci. Bon, enfin, quelqu'un qui est heureux de rejoindre le staff. T'es pas heureux, tu t'en vas, man. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. On continue. Tous nos joueurs sont signés. C'est perfect. Engager des entraîneurs. Merci. Oh, on a des bons entraîneurs. Oh, oh, oh. Oh, ok. On a besoin d'un entraîneur adjoint, ça c'est sûr et certain. Donc, entraîneur adjoint NHL. J'aimerais ça un gars qui est bon peut-être pour l'avantage numérique. Supériorité numérique en moins. On va classer par justement ça. Là. En plus pour l'avantage numérique. Il est mauvais dans tous les autres aspects. Mais Ulf Ragnarsson, ça pourrait être très bon. J'aimerais ça quelqu'un qui est bon. Oh, Sanford. Sanford est bon en unité spéciale. Lisa Stanford, let's go, une fille. Je dorme. Je t'offre entraîneur adjoint. On va s'entretenir avec Lisa, voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Lisa. Contrat. C'est quoi tes attentes, ma belle petite Lisa? Ok. Quel salaire? Importance, préférence, importance. La durée. Importance du salaire. C'est quoi ça? C'est l'importance. Ok, bon. C'est bon. Je peux-tu juste quitter? Autre sujet, merci. Marché. Club. J'aimerais beaucoup qu'on parle du statut d'équipe. L'importance. Vas-y donc. Le statut de l'équipe que j'entraîne doit correspondre à mes attentes. C'est important pour moi. Parfait. Autre sujet. Lisa, j'en ai assez entendu. Fin du sujet. Merci, bonsoir. On va t'offrir une prolongation de contrat. Montant de l'argent. Wow, wow, hey, où Lisa? Wow, Lisa est partie? Comment ça? Where is Lisa? Ok, là, mon dieu, je pensais que je l'avais perdu. On a de l'argent, Lisa, pour toi. On va te donner beaucoup plus. On va te donner 601 000.
Fin, offrir, 3 ans, let's go. Signe avec nous, s'il vous plaît. On a besoin d'un entraîneur AHL associé. Même chose, on va essayer d'y aller avec le power play. En plus, je vais te donner 500 000, mon beau petit balège, pour que tu viennes coacher ça. Et entraîneur adjoint AHL. Je peux-tu juste avoir un entraîneur des gardiens, genre, c'est possible? C'est-tu possible d'avoir ça? Entraîneur des gardiens, comment qu'on fait? Tout. Je sais pas comment qu'on fait pour signer un entraîneur des gardiens. On va aller dans entraîneur adjoint, puis on va aller dans défense, genre. Généraliste, vétéran, attaquant, gardien, ok, let's go. Toi, t'es bon. Smolenak, 400 000 pour toi, mon gars. 400 000 pour Smolenak, offrir un contrat. Contrat de garde. Ah non, c'était pas ça que je voulais. Whoop, allez. Bon, c'est pas grave, on va voir s'il va accepter. Et pour le... On va voir si on peut... NHL, adjoint NHL. J'aimerais ça, un gardien, un gars qui coach les gardiens, qui est quand même bon, là. Gardien, généraliste, on va essayer de trouver un gardien. Il n'y a pas de gardien? Ça existe pas, cette histoire-là? Ok. Entraîneur associé. Généraliste, est-ce qu'il y en a qui coachent les gardiens par hasard? Personne, ok. Puis si je fais coach en chef, c'est sûr qu'il n'y a personne qui coach les gardiens en coach en chef. Bon, ben il n'y a personne qui coach les gardiens, ça a de l'air. Fait qu'on va y aller avec ça. Pardon. Bon. On va aller voir la situation au niveau des contrats. On sait que les gardiens, on touche pas à ça. Ça, c'est primordial. On a 8 millions quand même de place. Et à 20 ans, Cole Perfetti, ça serait le temps qu'il prenne sa place à NHL. Bon, ça, c'est bon. C'est pas trop bien que ça. Défensivement, là. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 5 défenseurs, mais c'est sûr qu'il y a au moins un de nos défenseurs qui va être... qui va faire l'équipe. Donc, on essaie de pas signer de défenseur pour l'instant. Et à l'attaque, je pense que c'est là. C'est là qu'il va falloir signer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, il faudrait au moins 3 attaquants, là. De genre 4e trio, si possible. Si possible. Donc, recruter agent libre. Et peut-être des prospects, s'il y en a, bien sûr. Donc, gardien de but, on va y aller comme d'habitude en gardien de but UFA. Et on va classer. Dahl, partant moyen. Oh, let's go. On va signer ce gars-là avec pleasure. Oups, je l'ai pas RFA. Défenseur, est-ce qu'on en a? Élite bas, 20 ans. Ok, 2 élites bas. Ça va être... Nous autres, on va en profiter, là. On va en profiter, puis on va signer ces gars-là. C'est sûr et certain. Ailier droit, est-ce qu'on en a? Nope. Ailier gauche, est-ce qu'on en a? Attaquant top 6 bas, couturier. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et centre. Attaquant top 6 bas, Beagle. Why not? Mon coconut. Et au niveau des centres, bon, là, c'est là qu'on a de besoin. Einen, pas sûr. J'ai pas besoin de gros contrats comme ça. Un gars comme Adam Lowry. Ça, c'est parfait. C'est exactement le genre de joueur. Oh, c'est exactement le genre de joueur que je veux. En plus, en piqué, ça peut être bon. 2. Ok, 3 millions 2 ans pour mon Adam Lowry. Lowry, c'est bon. Brandon Perry, non. Arturi Lekkonen. Oui, madame. Ailier gauche, Arturi Lekkonen. 2 ans, 3 millions. Même chose que Lowry. Et ça prendra un ailier droit pour closer Hartman. Hartman est capable de scorer, bon défensivement. Pas de discipline, c'est ça qui m'avait fait chier la dernière fois. On va quand même essayer d'aller voir les alliés droits, là. Piqué Subban est là. Chiasson, trop cher. Smith, trop cher. Nick Petan. Bon défensivement, bonne discipline, ça peut être bon. Andrew Shaw. Bon défensivement, pas de discipline, non. Nishushkin, Connor Brown, Perry, Levo. Je pense que j'allais avec Nick Petan, je l'aime bien, là, j'aime bien. 2 ans, même chose. 2 ans, 3 millions. Est-ce qu'on va avoir assez de place sur notre masse salariale? On paye 9 millions, mais on est à 8 points. Ok. On va l'essayer, au pire. Au pire, hein. Ils vont juste nous dire non. Simuler jusqu'à la prochaine saison. Balège accepté. C'est bon. Ok, refuser de modifier la liste. Là. Je veux pas recevoir 3000 demandes d'échange, s'il vous plaît. Je veux juste simuler. Rejeté. Oh, Elisa Stadford. J'accepte votre offre. Excellent. Piper Dahl. C'est bon. Beagle, c'est bon. Barrett, donc toutes les jeunes.
Les jeunes ont accepté. Calgary, je veux rien savoir de ta trade. Lowry a accepté. Lekkonen a accepté. Et Nick Petan a accepté. Let's go. Turney et Janmark en Caroline pour un choix de 2, un choix de 3. Bon, good trade. Pat Maroon, no thanks. C'est moi que vous me fendez. Bon, je vais simuler jusqu'à la prochaine saison. On va faire les lignes. On va s'arrêter là. Là, on va attendre. Si vous avez d'autres propositions d'échange, eh bien, on les fera. Le Canadien a échangé Alexander Steen et Ratto Gudas contre un choix de première ronde et Simard. My God, c'est cher payé pour un gars en fin de carrière, un choix de première ronde de même en début de saison. Courageux. Montréal. Ben, Montréal, ok, échange Paul Byron, un choix de 7e en retour. My God, un autre choix de première ronde. Montréal est en mode reconstruction, les amis. À Boston, Backlund et un choix de 4e contre Metropolit Sharpenter et un choix de première ronde. Les choix de première ronde se font virevolter à droite puis à gauche, là. À Montréal, un autre choix de première ronde et Williams contre Radek Faxa. Demers, un choix de 3e. My God. Le Canadien, là, dans la saison morte, vient de se faire 3 choix de première ronde. À Columbus, Gustafsson et Patrick Marleau comptent 2 choix de 2. Qu'est-ce qui se passe? Hey, vous êtes chaud bateau, man, à trader des premiers choix de même, là. Vous faites n'importe quoi. Aïe aïe. Aïe aïe. Hey, des 2 choix de première ronde contre un 84 overall, là. Ok, on a presque tout vendu nos billets de saison, donc les partisans, là, sont très heureux. On a des fonds qui se sont débloqués. Bonne nouvelle. Waouh, 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 waouh. Et objectif, je m'en fous de ton objectif du propriétaire. Capitaine, on veut juste s'assurer que tout est beau encore. Zibanejad, Panarin et Jacob Trouba. Pas trop avec ça. On est OK là-dessus. Et le début de saison 2022-2023, let's go, composition. Voyons voir ce qui se cache derrière cette nouvelle équipe. Gardien de but. Bennington et Longvist, 82 overall. Là, je peux pas croire que c'est sa dernière année. Bref, on le garde. Et dans les minors, 70 overall Markstrom. Let's go, 19h70. Il va devenir quelque chose. Dahl et Hall. Dahl et Hall, ok. Défensivement, Giordano, 85 overall. On est capable de vivre avec ça. Chuba, Shea Jolson, Weiss. Donc, Earl Weiss, qui est défenseur top 6, va jouer certainement. Il est prêt pour la NHL. Et Pajarvi qui est pas tout à fait prêt. Et dans le système, est-ce que Robertson est prêt? Pas tout à fait. Ça va nous prendre un défenseur de plus pour envoyer Pajarvi dans les minors. Ça, c'est bon à savoir. Attaquant. Panarin. Ok, on a tué. Ok, on a deux attaquants trop. Sanford et Ronning. Perfetti est toujours pas prêt à faire la NHL. On prend notre temps avec Perfetti. Cole Perfetti, on prend notre temps. Mais je commence à être un peu tanné de prendre mon temps. Il va être envoyé en CHL encore. On pourra pas attendre. Ça, c'est une question que je vais vous laisser. Il nous manque un attaquant de toute façon. On peut attendre avant de l'envoyer dans les minors, là. On peut clairement attendre. Il n'y a rien, y a absolument rien qui presse. Donc, NHL. On va aller voir là, qu'est-ce que ça donne. Mais il n'y a rien qui presse. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que Perfetti commence l'année à New York ou encore dans les mineurs? Donc, Panarin, Auden, Capo, non. Pourquoi? Alors, regardez comment ça fait pas de sens, là. Hoffman, Zibanejad, Lowry sur la 4e. Qu'est-ce que vous... What the hell? Zibanejad ici, merci. Avec Panarin et Capo, ça change pas. Hoffman sur le... À gauche, avec Chittil qui est un attaquant polyvalent et Hossang. Lias Anderson, un franc-tireur. Je pense que Lias Anderson peut jouer sur une troisième. Même si, oui, ça fait peut-être un peu chier, mais je pense qu'il peut jouer sur une troisième. Lowry au centre. Ok, Perfetti. Ok, moi, je pense qu'un gars comme Perfetti, comme ça, Auden, ici. Donc, Auden, Lias Anderson et Perfetti. On a une bonne équipe. On s'en vient avec une bonne équipe. Auden, je sais que c'est des gars qui jouent sur le deuxième, mais ils vont jouer en piqué, là, de toute façon, là. Lias Anderson et Auden. Lias Anderson en powerplay. Auden sur le piqué. Chittil sur les deux, j'ai l'impression. Lekkonen, Lowry, Petten. On a une combinaison fabricant de jeu avec un attaquant polyvalent et un franc-tireur. Donc, on a la meilleure combinaison possible. Je comprends pas pourquoi Lekkonen est un franc-tireur, mais on a une très très bonne quatrième ligne. Brady Shea, Trouba, Giordano, Jolson, Weiss et Pajarvi. Donc, ce qu'on a besoin de savoir, qu'est-ce qu'on fait avec Marcus Pajarvi et qui qu'on va chercher comme défenseur? Et ça prend un défenseur droitier. On va aller voir les choix qui s'offrent à nous.
Et au niveau des attaquants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse Perfetti là, sachant que son rôle, si on regarde, c'est attaquant remplaçant, pas tout à fait prêt pour la NHL? Ou est-ce qu'on l'envoie en CHL, parce qu'il peut pas aller dans l'équipe AHL? Qu'est-ce qu'on fait? Donc voici les défenseurs qui pourraient être peut-être intéressants pour notre équipe. Faut prendre en considération qu'on a besoin d'un défenseur top 6, le droitier. Donc un gars comme Bear, qu'on a dans le radar depuis longtemps, pourrait être un Aiden Bear, pourrait être intéressant. On n'a pas énormément de place sur notre masse salariale. D'Angelo, non. Bowie. Madison Bowie, ça pourrait être très très bon, là. Madison Bowie pourrait être très très bon. À Winnipeg, sa valeur est quand même un peu haute, mais on a la place sur notre masse pour son salaire. Et là, ça monte un peu. Donc, entre Madison Bowie et Ethan Bear, dites-moi lequel on va chercher. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. À la prochaine. Ciao, bye.